25 mars 1849, dimanche matin, 7 heures. Bonjour, mon amour. Que la paix et le bonheur soient avec toi et avec tous ceux que tu aimes. Comment es-tu revenu hier au soir? Avais-tu pris quelques précautions contre le froid et contre la neige? Tu sais combien il serait dangereux d'être pris par quelque indisposition dans ce moment-ci. Je te recommande donc, mon amour, d'être prudent et de ne pas jouer ta santé et ta vie avec la facilité que tu y as mise jusqu'ici. Songe que ta santé m'est aussi chère que ton amour. Ma sollicitude va de l'une à l'autre pour les recommander au bon Dieu. Je donnerai la moitié de ma vie pour te préserver de tout mal et l'autre moitié pour que tu n'aimes jamais d'autre femme après moi. De tous ces désirs, aucun ne peut être satisfait par ma seule volonté. Il faut que ton concours et celui du bon Dieu me viennent en aide. C'est à toi de commencer en ayant bien soin de ton cher petit corps et en ne recherchant pas trop les conquêtes de femmes, même celles qui n'ajouteraient rien à votre gloire de Don Juan. Maintenant, mon petit Toto, il me tarde de savoir comment tu vas et quand je te verrai. Mon impatience s'est éveillée en même temps que moi et je sens qu'elle ne restera pas inactive à me tourmenter jusqu'à ce que tu sois auprès de moi. En attendant, je t'aime de toute mon âme et je te baise de tout mon cœur. Juliette.